Au total, 37 communautés locales et autochtones ont été identifiées grâce à la cartographie participative comme ayant des activités dans la zone potentielle à classer en aire protégée. La future aire protégée de Mesokdia est située dans le triangle forestier Sembe-Swankengbala dans le département de la Sanga. Des consultations réalisées auprès des différentes communautés qui y vivent et des sociétés forestières en vue d'obtenir leur avis sur ce projet du gouvernement ont donné des réponses mitigeuses. Trois communautés ont dit oui d'office. 10 communautés ont dit non. 24 ont dit on va poser des conditions maintenant par rapport à ce que l'État va nous dire après. Nous, on saura si on doit accepter ou refuser. La communauté autochtone du village Goman, dans le district de Swanké, fait partie de celles favorables à la création de l'aire protégée. Seulement, elle pense que le gouvernement devrait améliorer leurs conditions de vie. Il faut quand même penser à nous. La forêt nous appartient. Tout ce qu'on mange, c'est là-bas. Les femmes ici, pour avoir 200 francs, il faut qu'elles rentrent là-bas, chercher les cocos. Vous allez barrer les chemins là. Les femmes là vont avoir quoi? La communauté bantou du village Dia dans le district de Sembe, constante dans sa position, l'a réitérée lors de la concertation avec l'administration et les bailleurs de fonds. Si nous sommes contre de l'installation de cette parc, c'est d'abord payer nos champs et après vous installer votre parc. La population ne peut pas interdire l'État d'installer leur parc. L'atelier de concertation sur le massif forestier de Mesokdia, qui aura lieu à Wesso, sera le moment tant attendu des communautés de discuter franchement avec tous les acteurs impliqués dans ce projet afin de permettre au gouvernement de poursuivre ou non l'exécution du dit projet.